Préparez-vous. La chasse est ouverte. Yann, il a pas le temps, il court, on le suit. Ah, si tu te mets à sauter, c'est pas RP. Attention, il y a des. Vous avez le ping, des ping comme ça. Comment tu fais? Moi, c'était clic souris, je sais pas, clic molette, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais. Voilà. Et si tu fais deux fois, quand tu fais ça, généralement, c'est là, il y a un joueur quand tu fais deux fois. D'accord, ok, il faudra que je regarde mes touches alors. Donc là, tu cavales parce que normalement, il y a personne. On est d'accord, dès le début, il y a personne. Au début, il y a très peu de chances que tu croises du joueur, sauf si tu diriges vers d'autres joueurs et qu'eux, ils font la même. Ok. Et surtout, en fait, là où je me dépêche, c'est que la zone là, elle est... c'est une des pires zones pour. T'es dans l'America, je t'ai coincé. D'accord. Ok. Le boss il est là. Salut de rentrée, le boss. Ouais, on y est. On a pop sur la zone du boss. T'es sérieux? Ouais. Quand t'appuies sur E. Regarde ce qu'il y a en face, ça, déjà. Quand t'appuies sur E, tu vois que t'as l'icône qui clignote en haut à gauche. Ça veut dire que t'es sur la zone du boss. Donc, ah oui, d'accord, ok. Et lui, le gros là, faut le buter ou on le laisse comme ça? On devrait le laisser, ça nous fait une défense. Vu que nous on sera à l'intérieur, ça va plus emmerder les joueurs qui nous attaquent que nous. Ok. Alors là, c'est le spectre. C'est une salle. Repérez bien les sorties quand vous entrez, quand vous prenez trop cher en dégâts. Alors normalement on peut se le faire au corps à corps, mais le mieux c'est de tirer là. Mais tu tires sur qui là? Sur le boss. Ah mais on peut le buter d'entrée là? Ah ouais là faut le buter. Ah y'a pas besoin d'indice et tout ça quoi. Ok. Non, on est tombé dessus. Oh bah super. Ouais. Calme-toi. Reculez, ouais, c'est ça. Recharge. Salut Contalus, salut Dranti. Est-ce que j'ai un nouveau partenaire? C'est Yann des Bob, vous connaissez le enfin plus Dark et Brezou. Il vient nous carry sur sur un showdown. Enfin, j'avais pas autre chose. Ah si, j'ai des alors, c'est ce que j'allais dire, j'ai des cocktails Molotov. Quand vous entendez les bruits de lame, c'est qu'il va balancer un coup à distance. Il faut lui tirer dessus à ce moment-là. Ah, je brûle. Ouais, j'ai en tout cas pour la. Tu l'as vu. Ok, je recharge. Tu perds tes balles quand tu. Ah non, bah non, tu les recharges une par une, donc ça va. J'ai pas un chargeur. Et où est-ce qu'il est là? C'est les armes à verrou que tu perds une balle à chaque fois. Tu vois. Sauf si t'as la touche qui correspond. Enfin, la première game, on tombe sur le boss direct, c'est énorme ça. Pour ça, c'est de tuer au plus vite avant qu'une autre team nous arrive dessus. Ah bah ouais, là ils entendent les coups de feu et tout ça quoi. On peut arrêter de bouger droite gauche et se mettre à l'intérieur. On peut l'avoir quand il est dans. Ouais. Ok. Tu peux l'avoir si on le touche quoi. Ah bah attends. Et il veut pas se poser. Attends, je vais me le faire, il est où? Non, je l'ai pas eu. Eh ben, il m'en fout. Il est passé là, non? Il est passé dans les flammes. Des dégâts. Ah, merde. Est-ce qu'on peut se tirer dessus entre nous, juste pour savoir? Ouais, les dégâts par contre sont. Ça fait moins de dégâts que si tu tirais sur un ennemi. Ok. C'est bien, les flammes, c'est en train de finir. Mais. Il s'arrête quand là? Ton pote là? Comment il s'appelle d'ailleurs ce boss? Il est mort. Il est mort? Ouais, il est mort. Nice. Du coup, je verrouille l'entrée par où on est rentré. D'accord. Avec du barbelé. Là, c'est une entrée ici, non? Il n'y a rien ici. J'ai mis du barbelé à l'entrée, on est rentré. Ok. À l'étage. Ah, j'aurais peut-être pas dû faire maintenant le truc là. Il y a une porte de l'autre côté. Je verrouille le haut là. Ok. Comment tu fais pour verrouiller? T'as dit, excuse-moi, j'ai pas. Je verrouille avec du barbelé, en fait, j'ai bloqué les barbelés. Ce qui fait que je les place. Ah oui, d'accord, t'as des barbelés toi, ok. J'ai une porte là où je suis. Ah, mais elle est fermée de toute façon de l'intérieur, donc c'est. Là, j'ai une entrée, ils peuvent passer par là en. Envoie un ping pour que je sache. Ah, mais faut que je configure ma touche, je le ferai après. En tout cas, j'ai un visu vers l'extérieur ici. Si vous touchez le barbelé, pensez à vous appuyer sur F pour bander la plaie avant que vous vous dites votre sang. D'accord. Et une entrée, vous disiez où? Là, bah, là devant. Là. Alors là, il y a une entrée, mais elle est verrouillée avec la petite barre là. D'accord, ok. Donc il peut la défoncer à coup de masse, mais ça fait quand même du potin. D'accord.
Et l'entrée facile en bas, je l'ai verrouillé. Donc là, ça dure combien de temps le truc là? T'as le pourcentage en haut à gauche. Et il y a une porte là qui est fermée par une planche aussi là. Donc là, eux ils savent qu'on a activé le. Voilà, à partir du moment où tu actives le rituel, là, ouais. ils savent que t'es là en train de faire le rituel. Ah, mais donc en gros, on va sortir, on va se faire découper quoi. Voilà, et il y a des joueurs qui font, ils attendent un peu. Ils attendent, ils campent le boss, ils attendent que l'autre boss, le rituel, soit lancé pour lancer leur. Sauf en fait, le premier qui lance risque d'attirer tous les joueurs qui ont envie de taper. Donc on a une sortie à notre sud-est direct là, c'est ça? Exactement. Ah ouais, donc ils vont nous attendre là-bas. Ils ont les mêmes sorties que nous, les autres ou pas? Ouais. Ok. Ce qui fait que des fois les joueurs vont camper la sortie. D'accord, oui, je pense bien. Ils vont récupérer la prime. Et quand t'as la prime avec toi, tu. Il y a un truc dans l'eau là. T'es où? Là où t'es vu le barbelé. C'est comme s'il y avait un serpent sous l'eau, ça fait un peu bizarre. T'as vu le gros boss de tout à l'heure là? Il est aveugle au fait. Et il déploie plein de petites sangsues qui sont ses yeux. Donc si la sangsue te mord, t'es empoisonné et le gros va te rusher parce qu'il va être focus sur. Salut à tous. Crotalus, c'est le logo du Derima. Salut Chrisac, salut Tonton. Maintenant, faut piéger les entrées si tu peux. Ouais, il y a Yann qui s'en est occupé. Nous, on n'a pas ce qu'il faut hein, pour les piéger. Enfin, du moins, je crois que j'ai pas ce qu'il faut. T'as ta torche qui est allumée, tu vas te prendre comment une tête. Comment ça la torche, comment j'allumais ça, moi? Tu fais la molette, non? T'appuies. Ah, d'accord, c'est ça la torche. Attends. Ok, c'est bon. Ah, il y a quelqu'un qui est passé devant. C'est quoi ça? C'est un Z. Ok. Ah, faut que j'apprenne le jargon. Ah, il est là, le Z. Couvre-nous, le Z, couvre-nous. Mais non, viens pas vers moi, fais le tour de la maison. Je laisse tranquille. C'est vraiment le coup de bol quand on est tombé sur le boss. Ouais, enfin, coup de bol, mais en même temps, la sortie va être compliquée. Voilà. Mais quand tu prends la prime, t'as 5 secondes ou quand tu mets la vue spectrale, tu peux voir si t'as des ennemis autour de toi. D'accord. Mais t'as droit qu'à 5 secondes. Et par contre, les joueurs sauront où t'es. Quand ils regarderont la map, ils verront des éclairs sur la map. Ça veut dire que la prime est là, en fait. Ok. Carte mise à jour. Bah là, ce qu'on peut faire, c'est prendre la voir s'il y a du monde autour. Vas-y. Je vous laisse le faire, au pire. Ouais, vas-y, je prends. Faut que j'appuie sur E direct, c'est ça? Tu fais un 360 sur toi-même rapidement. Et si tu vois des trucs orange, y'a rien. Non, je vois pas de truc orange. Eh ben, ça veut dire qu'il y a pas de joueur. Donc là, on va prendre la deuxième prime et on va pouvoir décamper. J'ai deuxième sortie, prime. J'ai pas verrouillé. Il y a deux primes par boss. D'accord. Mais tu peux en prendre qu'une seule. Un personnage peut en prendre qu'une seule. Je cherche l'escalier, il est là. C'est quoi le contexte du jeu? C'est vrai que j'ai pas pris le temps de vous l'expliquer. En gros, on est des chasseurs. Il faut qu'on. Bon, on a des missions. Donc là, c'était abattre ce boss là. Et en fait, quand on abat un boss, on récupère la prime et après il faut s'extraire. Et là, on a de la chance, elle est tombée directement sur sa zone. Maintenant, il faut réussir à s'extraire le plus rapidement possible. Oh putain! Merde. Ça va, Wolf? C'est bon, ça t'est. Ouais, il m'a mis juste une demi-barre donc ça va remonter. Ouais, il avait pas d'arme de cap. S'il avait un couteau, tu t'aurais saigné. Ouais. Là, il y a les autres joueurs qui sont sur la map, donc potentiellement il y en a 9, c'est ça? Parce que tu m'as dit qu'on pouvait être 12. Ouais, 12 joueurs. 12 joueurs? Ouais, potentiellement 9. Et donc en fait, ils savent qu'on a récupéré la prime du boss. Et ils vont essayer de nous bloquer pour s'extraire. Parce qu'en fait, si on arrive à s'extraire, on a gagné, tout simplement. Pour une première game, ce serait pas mal. Donc là, quand on sort, faut qu'on sorte bien, bien ensemble pour qu'on partage nos points en fait. Okay. Quand tu sors en team, tu vas partager les points avec les. Dites-moi sur le live, ça a pas l'air très fluide. C'est pas ce qui arrive. Vous confirmez ou pas? C'est un espèce de boss. Il fait pas beaucoup de dégâts, mais il encaisse. Il aime pas le feu. Genre, bougez. Où ça, où ça? Il est trop tard, il m'a mis à terre direct. Ouais, hein. Il est où? Je vais te traiter. Il est sud-ouest. Restez bien derrière les planches. Je grande la. On va se prendre un cocktail ou un truc comme ça. Ouais, et s'ils se rapprochent, ils vont bloquer la sortie. Comment ça, ils vont bloquer la sortie?
Si il y a deux teams sur une sortie, ça bloque la sortie. Merde. 10 secondes, merde. Grenade est encore là. Ouais, oh, la pression. Vite. Allez. Oh putain, mais c'est pas possible. Mais pourquoi ça fonctionne pas quand... Ils arrivent sur une proche. Il est mis dans le 29, le mec. Touché. J'en ai touché, tiens. Là, je suis dans le mal. Oh là là. Wolf, faut que je te réanime. Attends, je réanime Wolf. Ah oui. Il y en a qui rush. C'est confirmé, Poulivore. C'est pas fluide, on est d'accord? Wolf, juste derrière la charrette. Ouais, je me saute. Ça rush. Le mec, il arrive, il est headshot direct. Je peux rien faire. Touché. Ça fait 3 fois qu'il me même. Tombé, je vais tomber un. Il y en a un deuxième qui arrive. Oh, coup de couteau, j'ai pris. Non, je suis à terre. J'en ai eu un. Ah, c'est pas fluide du tout, ah merde. J'ai plus de balles. Vu partenaire. Allez, Yann. Il y en a un qui est tombé. Tu peux pas nous relever, Yann. GG, Yann. On peut jouer à 4, non? Chris X pas encore, c'est 3 pour l'instant, là. Ah, bien joué, Yann. Ouais. Restez bien planqué. Attends, je vais essayer de me soigner. En fait, le truc, à chaque fois, tu te fais coucher, que tu te fais rester, tu perds une petite barre de vie en bas, en fait. Il y a une barre de vie que tu peux plus récupérer de la partie. Je recharge. Attendez, je vais regarder pour la fluidité après. Putain, j'avais plus de balles, plus rien. Ah, les mecs, on peut pas les fouiller, bah, c'est trop tard maintenant. Ouais, c'est trop tard là, il est mieux ça rester planqué quoi. Ok. Quand ouais, tu les fouilles, tu vas récupérer. Mais un coup, c'est une couche directe, hein. C'est pas possible. Ah, c'est ça, c'est la GG tête. Première game, on gagne. GG. Ouais, tendu la sortie quand même. Ouais, chaud. Et le problème, Wolf, c'est à chaque fois qu'on te réanimait, bah tu repopais avec une barre de vie en moins, et à la fin, le moindre coup te tue quoi. T'es tombé deux fois, du coup, t'étais à mid-life. Il m'a couché direct. Hein. Ah, il a dû te mettre une tête le premier direct. Ouais, c'est ça. Ah, mais à chaque fois, il m'a couché, c'est une seule balle. Hein. J'ai pris un seul dégât. Ah, moi, ils m'ont mis dans le mal là, et après, j'en ai tombé un, j'ai touché un deuxième. Et quand tu te fais raise aussi, Wolf, toute ta vie, faut te soigner en fait, faut remonter ta vie. Ouais, mais j'ai même pas le temps.